Je voudrais simplement ajouter dans ma présentation que j'ai présidé l'entreprise familiale Centenaire, et qui est présidée par une de mes filles maintenant, et qui est un très gros consommateur d'électricité. Je le dis parce que c'est pas sans lien avec le sujet dont, avec mon intérêt pour le carbone bleu. On consomme 300 gigawattheures d'électricité par an, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation d'une ville de 75 000 habitants. Je reviens tout de suite au sujet en disant que parfois il suffit de connaître un mot ou une expression pour être considéré comme un expert du sujet, et c'est comme ça que je suis devenu un tout petit peu expert du carbone bleu. En fait, le terme carbone bleu a été défini par l'ONU en 2009 et il décrit la capacité de certaines zones maritimes à capter le carbone, mais surtout à le séquestrer dans le sous-sol et pour des millions d'années. C'est ce qu'on appelle des puits de carbone. Et en général, lorsqu'on évoque la mer comme aujourd'hui, on insiste sur sa nécessaire protection. Et aujourd'hui, je suis heureux d'évoquer la façon dont la mer peut, à l'inverse, protéger la planète. Alors, ces zones maritimes dont on parle, qui sont souvent intertidales, sont les mangroves, les marais salés et les herbiers. Ces écosystèmes de carbone bleu assurent effectivement la protection des côtes, en empêchant la submersion, en empêchant l'érosion, par exemple. Et les mangroves, par exemple, et en particulier, agissent comme des barrières naturelles et réduisent les risques d'inondation. Les herbiers marins piègent les sédiments en suspension dans leurs racines et améliorent la qualité de l'eau. Et d'une façon générale, les zones humides côtières absorbent les polluants et contribuent alors à l'amélioration de la qualité de l'eau, mais aussi, et c'est important dans le contexte carbone bleu, à prévenir l'eutrophisation. Et plus précisément, potentiellement, ces zones que vous avez à l'écran captent à l'hectare 10 fois plus qu'une forêt et séquestrent 100 fois plus qu'une forêt. Mais en revanche, se convertissant, en se dégradant, en étant détruites même parfois, elles peuvent libérer des milliards de tonnes de CO2 potentiellement, et puis d'autres gaz à effet de serre dans l'océan et l'atmosphère, ça peut être du méthane et beaucoup d'autres produits. Le carbone bleu précisément, c'est le carbone organique qui provient principalement des feuilles de plantes, du bois, des racines, des animaux en décomposition. Il est capturé et il est stocké par ces écosystèmes océaniques et côtiers. À noter que ces zones dont nous parlons, que vous avez toujours à l'écran, représentent seulement 0,2% de la surface des océans, mais captent 50% du carbone capté par les océans. C'est absolument incroyable et presque vertigineux. Donc, la protection et la restauration de ces écosystèmes sont une occasion unique d'atténuer le changement climatique. Alors, en conservant, en protégeant, en restaurant ces écosystèmes de carbone bleu, on peut protéger de ce fait les importants stocks de carbone qui ont été accumulés au cours des derniers millénaires avec le même effet carbone bleu. S'ils sont entretenus, ils peuvent au contraire retrouver, développer cette fonction de puits de carbone qui est parfois perdue. Et on constate malheureusement que la bibliographie sur ce sujet existe peu, un peu pour les mangroves, mais qu'elle est quasiment nulle en ce qui concerne les marais salés. Je précise salés à la différence des marais doux ou des eaux saumâtres, parce qu'on constate que le taux de sel est un facteur important de la performance des puits de carbone. Il se trouve que les marais salés vendéens représentent près de 3 000 hectares et que ces hectares sont propriétés de près de 1 500 familles qui les utilisent jusqu'à présent beaucoup pour de la pêche loisir et sans mesurer le trésor qui leur est confié. Je dis qu'il leur est confié en lien avec, on peut dire, la notion de patrimoine familial qui passe de génération en génération et qui est confiée à chaque génération. Et ces propriétaires ont de ce fait un rôle important à jouer dans la protection de la fonction puits de carbone. Et nous avons de ce fait à étudier la façon dont ces puits de carbone fonctionnent, les moyens d'améliorer leur fonction de captation et de séquestration, et puis, plus généralement, de faire prendre conscience
aussi aux collectivités et au grand public que ces zones peuvent venir à leur secours, à notre secours. Juste un exemple, sur la seule commune des Sables-d'Olonne où je réside et où je travaillais, avec un calcul rapide, on montre que le potentiel de captation par les marais est du même ordre que la quantité de CO2 émise par le tourisme sur cette commune. Mais aussi, la baie des Sables-d'Olonne, qui a été classée récemment parmi les plus belles baies du monde, qui est une association des plus belles baies du monde, est pas seulement un beau paysage, mais c'est aussi un écosystème qui est directement connecté avec un puits de carbone qui est exceptionnel. C'est sur cette base-là, parce que on a autour de nous un territoire qui est un bon candidat pour la captation du carbone, mais aussi parce qu'on ne sait pas grand-chose sur le carbone bleu dans les marais salés, que nous avons créé l'association Carbone Bleu des Marais avec le département de la Vendée et les trois communautés de communes ou d'agglomérations qui sont concernées, mais aussi avec des associations locales de préservation de la nature, de propriétaires de marais, mais également avec des entreprises et des particuliers, justement pour mieux connaître et promouvoir le carbone bleu. On a été rejoint depuis par le parc naturel régional du Marais Poitevin, par l'association, la fondation Softrider, par le forum des marais atlantiques, et nous sommes désormais soutenus par la fondation de la mer. Et une de nos premières initiatives est de faire réaliser en fait une étude par l'Université de La Rochelle en association avec IFREMER et le CNRS pour mieux comprendre ce qui se passe sur nos territoires, parce que c'est ce qui nous manque. On peut faire tous les efforts que l'on veut pour promouvoir le concept carbone bleu. Si on n'a pas de données, si on ne sait pas comment l'améliorer, eh bien ça peut être vain. Nous préparons aussi un partenariat avec l'ADEME, parce que l'ADEME ne dispose, évidemment, notre premier réflexe, c'était d'aller nous adresser à l'ADEME, qui fournit toutes les données possibles pour établir des bilans carbone sur des prairies, sur des forêts, etc., sur les marais, sur les herbiers et presque sur les mangroves aussi. L'ADEME ne dispose d'aucune donnée et notre association va essayer de capter ces données, mais surtout de les partager parce que nous avons comme objectif de devenir, mais nous sommes déjà un petit peu, la preuve c'est qu'on fait appel à nous aujourd'hui, mais nous souhaitons être un lieu de rencontre et d'échange pour tous ceux qui, en France ou ailleurs dans le monde, s'intéressent à ce sujet. Parce que les mangroves, c'est en France dans les DOM, mais c'est la plupart du temps dans d'autres pays. Je vous remercie pour votre attention.